Oui, bande kobalandia to komo wapi ndenge to mesina kukuta na tokiti awa na hotel de ville de Kinshasa et pa yi wapi ba député a ville de Kinshasa kokis ya be Elie a Kinshasa ba député nationaux ba yi kukuta na na ba kambi a ville de Kinshasa gouverneur a tenu sur ville de Kinshasa ba yi kosolola pona likambo e kwele ki biso mbula ote kobeta mkolo malobi bande ko bakufaki nde ba yi kutala nini ba ko kosala po ete bande ko bakufi ba kundama ndenge sengeli o pe batikali place ni ba ko kozwa ba ko kunda bango ne toye awa bola na boke binyonso déclaration ba député na biso eko sala nini nini pe ba ko loba mais toye to uti kuna na kati oyo kike base oyo boyi bande na biso mingi eza ba place anarchie place oyo ba boku mese ba zo ko te kaka mais to yo ka vice gouverneur ko loba nini na ba député nationaux nini ba ko sala awa pi ba question moi mo ke ko tuna bango nini eko sala ke bande ko ba ko fa kaka na ba biloko ba anarchique. Oh, place il fait pas, tonga. Mais bino bozawana, gouverner c'est prévoir. Pour l'année bino prévoir à côté. Quand nous avons la capacité, bon on a beaucoup bien sous tout ça awa la ville de Kinshasa. D'abord, nous avons commencé à Kisenso. Nous avons suivi Makété. Au niveau de Tchangou, comme Tchangou, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, on était seulement en contact avec le maître. Et ce que nous avions constaté d'abord dans les districts de Moramba, comme je disais, il y a une coupure de la route de l'université Intendance vers la Réunité. Et puis, la pile de la route du pont qui relie Lemba Ngaba depuis sur de la paix à Kisenso, ou pile du pont vers Bikanga, quartier de Bikanga, Bikanga du sol. Et moi-même, je suis descendu sur le terrain, j'ai vu comment est-ce que la population d'abord elle-même était mobilisée pour commencer à creuser, chercher les cadavres et la vie. Dans un premier temps, nous avons sorti 47 millions de francs que nous avions donné aux différents ministres pour d'abord encourager les jeunes et de pouvoir nous jouer également. Nous avions pris les corps en charge jusqu'à la mort. C'est presque le même jour que nous avions déposé 36 corps dans nos différentes modes. Et après, j'ai appelé le Premier ministre qui m'a mis en contact avec le directeur du cabinet du chef de l'État. Vous avez vu, c'est moi qui ai appelé le chef de l'État qui est descendu sur place là où il y avait trop de monde. Et le chef a directement, à 0h, a convoqué une rencontre extraordinaire. On était avec moi, le directeur du cabinet du chef de l'État, le ministre premier état de l'argent. Et nous étions aussi avec les DG de l'OVD, et puis le général est responsable de la réunion
militaire, génie militaire, le chef a débloqué, on a débloqué l'argent pour qu'on puisse d'abord arranger les routes coupées. Pour ce qui est prise en charge de nos frères et sœurs qui sont décédés, là on est en train d'évaluer d'abord. Et hier, j'ai convoqué presque tous les bourgmestres concernés. Et nous continuons l'évaluation. Donc c'est la ville ensemble, avec le gouvernement central, nous allons prendre tous ces corps-là en charge. Anthony, et je vais insister sur ce que j'ai dit au Premier ministre lors du débat général sur le budget. Gouverner, se prévoir. La prévention n'existe pas. Moi-même, quand on parle de construction anarchique, je me pose la question si ça veut dire quoi. Une construction anarchique est anarchique si l'État n'a pas légalisé, n'a pas reconnu ça. La plupart de toutes ces personnes que vous voyez là sont détentaires d'une manière ou d'une autre, d'une pièce venant de l'État. Vous avez dit que vos collaborateurs directs, ce sont les bourgmestres, ici, sont en train de morceler partout. Le problème, Dieu nous a fait grâce tel qu'avant que quelque chose ne nous arrive, Dieu nous prévient toujours. Vous pouvez aller aujourd'hui au niveau du rond-point Victoire. C'est vraiment un endroit de référence de tout le monde. Pas d'accès de tous les côtés. Pourquoi au niveau de la direction provinciale de l'OVD, vous ne devriez pas insister qu'il y ait une brigade de surveillance selon les districts. Il y a ceux qui s'occuperont de la Tiangou, de la Funa, Mohamba et autres. Dès qu'il y a des nids de poules qui commencent, on vient, on va colmater. Vous allez dépenser moins. Mais généralement, je constate qu'on attend que ce soit plus pire. Même si les routes se coupent, s'il n'y a pas mort d'homme, on ne descend pas. On n'agit pas. On ne fait rien. L'endroit que les collègues venaient de dire, Vallée de la Foune, ou Zakindiboula, moi-même, je suis déjà descendu. Et avec le ministre des Affaires foncières, et avec. On est descendu plus d'une fois. Mais vous allez trouver qu'il y a aujourd'hui les militaires, il y a les policiers, envoyés par nous politiques. Généralement, c'est nous politiques. Alors, monsieur le gouverneur, moi, ce que je voulais vous proposer et vous demander, certainement, on va vous remettre les mêmes mots. Collègues, l'expérience que nous avons, on remettra les mêmes mots qui sera placé, classé sans suite. Classé tout simplement. Vous avez vu qu'en preuve, les collègues Mouya, qui n'est pas avec nous, il a présenté les mêmes mots de la législature passée. Rien n'a été fait. Je propose à ce que cette collaboration-là ne se limite pas au niveau de cette petite réunion que nous tenons aujourd'hui. Nous devons planifier l'action. Nous descendons, il y a un problème à tel endroit, nous descendons, nous voyons qu'est-ce qui est faisable. Et j'insiste que l'OVD puisse se répartir les tâches selon les districts. Ça va nous aider. Et aussi, s'il y a les endroits que vous considérez que ce sont des constructions anarchiques, tout ce que vous voulez, ok. On doit identifier ça et l'État doit agir tout de suite parce que c'est l'État qui organise la société et non le contraire. Moi, je suis malade quand j'entends les gens vouloir condamner la population qui ne fait qu'obéir et généralement avec la complicité des gens. Avec la complicité. C'est la même chose que vous voyez avec tout ce qu'il y a comme marché pirate. Il y a un marché pirate qui commence quelque part. Le gouvernorat ou le bourgmestre envoie les gens commencer à percevoir. C'est légaliser cette pratique, à ce que je sache. Voilà ce que je proposais, monsieur le gouverneur. Je propose que nous puissions être beaucoup plus à l'action qu'à des discours politiques. Le vrai problème, c'est quoi? Si on pose la question, il nous dit 430 familles. Ceux qui sont morts, oui, ils sont morts, mais ceux qui sont restés en vie, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à là? On devait avoir déjà à ce moment, le gouvernement devait nous dire, non, nous avons prévu tel espace. Où nous avons casé les 430 familles. Il nous faut matelas, il nous faut badge, parce que je crois qu'il y aura pluie ici aujourd'hui, monsieur le gouverneur. Il y a possibilité qu'il y ait pluie à 20h. Et ces familles-là seront, ils soient la belle étoile. Je crois que la première démarche, c'est la préoccupation. La vraie problématique, c'est ça. Nous devons sinistrer ces gens-là. Il faut une cité. Moi, je vous propose. Je vous propose maintenant même. C'est tout ce qu'on peut avoir comme solution. C'est ça, le pragmatisme. Le terrain de l'Ifoulou là, on peut déjà caser les familles. Battons-nous ensemble, si les organismes peuvent nous aider, si le Premier ministre peut nous aider, nous puissions déjà créer un espace pour ces familles-là.
il doit y avoir des bâches, il doit y avoir des matelas. Et c'est ça le pragmatisme. Sinon, vous allez nous dire que vous avez eu 47 millions pour des familles, on a encouragé des jeunes. Mais ceux qui sont en vie, nous allons perdre encore les 430 familles. Qu'est-ce qu'avons-nous prévu pour ceux qui sont en vie? Je vous ai entendu, c'est comme si on a plus fait pour ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont en vie, qu'avez-vous fait? Je vous propose le cas de Mbanzalemba, le cas de Lemba, Makala. Non, Makala, c'est fait de ce côté-là. Je parle de Mwamba de ce côté-là. Nous pouvons prendre le terrain de Lifoulou. Nous prenons ce terrain-là pour, en attendant, caser, sinistrer toutes ces familles-là. Alors, on aura besoin de matelas. C'est là où maintenant nous, on est utile, député, parce que nous devons être là dans cette gestion-là. Parce que c'est une gestion para. Il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en ligne de compte. Il y a le ministère de la solidarité, il y a le PDV, et nous aussi, quand notre président sera au retour, la loi prévoit ce qu'on appelle bain de consommation. Il y en aura. Dès que Maman Boundé est de retour, sur nous, c'est prévu même dans notre règlement d'intérêt. La ville est ouverte. Venez avec vos propositions. Vous avez déjà un bureau, vous êtes déjà organisé, vous avez déjà créé votre équipe. Nous allons travailler en synergie. Le problème qui dérange la ville, c'est parce que les autorités urbaines parfois négligent les députés nationaux. Ils préfèrent collaborer avec les députés en procédure. Moi, à mon niveau, je pense s'il faut à chaque fois ou soit, si nous pouvons créer une synergie entre les autorités urbaines et les députés que vous êtes, parce que ça c'est votre terrain électoral aussi. C'est votre terrain électoral. Parce que l'unité d'apport, ce pays, la force du pouvoir législatif, c'est l'exécutif. Mais moi, je pense que sinon, nous allons continuer à faire des propositions qui n'auront même pas de solution. Alors, nous sommes déjà oubliés, mais mettez-nous ensemble, continuez avec cette. À chaque fois qu'il y a un besoin, contactez-nous. Mais nous, à notre tour, nous évoluons avec le peu de moyens que nous avions, et nous avions écrit. Même pour trouver tous ces sites-là, les bourgmestres, d'ailleurs, j'ai même notre bourgmestre de la commune de Lemba qui a déjà pris presque trois sites, au cité Salongo, à Lifoulou, et terrain GDMF, il m'a encore parlé. Méfait, voilà. On n'a pas assez de moyens, c'est des moyens de commerce. On va mettre la pression dans la centrale. Après, si moi j'aurais souhaité que vous puissiez aller voir le premier ministre. Bien sûr, il faut le mettre. C'est aller poser cette question au premier ministre pour les constructions anarchiques. Vous interpellez même le ministre des Affaires foncières, le ministre des aménagement du territoire aussi. Et après ici, nous avons même réservé copie au ministre des Affaires sociales et urbanisme. Allez, il est là, c'est vous les gérer. Après ici, allez là-bas. Mais nous, de notre côté, nous faisons quand même moyen. Nous avons déjà transféré tous ces corps-là à différents morgues et nous continuons à travailler. Mais jusque-là, pour votre information, à part le chef de l'État qui a quand même donné l'ordre pour qu'on puisse réparer les routes, mais en termes de sinistrés, aider nos frères pour enterrer nos frères, jusque-là, il n'y a rien. Tous ces morts qu'on a ramassés. C'est bon, ça pour une fois. Au nom du député élu de Kinshasa, merci. Nous allons certainement vous retrouver. Je sollicite maintenant qu'on mette à notre disposition le rapport qui fait l'état de lieu de la ville de Kinshasa après les pluies souviennes et les différents mots adressés aux membres du gouvernement central. N'est-ce pas? Et à notre niveau, nous allons encore, bien sûr, vous revenir pour d'autres propositions. Ok? Nous allons, si vous voulez, nous organiser qu'il y ait cette synergie. Désormais, qu'il y ait cette synergie. Ce contact permanent avec la ville. Parce que nous ne pensons pas, en tant qu'institution, contacter directement le gouvernement. Nous devons passer par la ville. C'est bien ça, non? Oui. Nous devons passer par la ville. Donc il y aura cette synergie, ce dialogue permanent entre la ville et les députés nationaux et élus de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire à cet instant. Merci. Ok? Si ça ne vous dérange pas, le gouverneur peut nous disposer de la salle pour que nous conservions. Député, il y a
bah élu à Kinshasa, bah députés nationaux, bah quand même beaucoup de na makambo yezo le cas, où ils allaient causer na ba moulo et petit le 25 novembre, le 25 na le 26 novembre la ville à Kinshasa. Yangwana tu sanganaki, tu zoaki mibeko pour na makambo tokui kosala. Yaliboso tu kokuta na gouverneur de la ville à Kinshasa. Pour yé motazali ko kamba ville à Kinshasa. À sali état de lieu, la ville, nandenge bambule ebeti, to solo linaye, biso pe to pesi o futu koi ko pesa, to zumikano, ndenge to sala po, to salisa, bato ya biso, o e bakei, na oyu, batikani, bilan ezali, ya munene, ezape mawa, 51 morts, pona bambule ebetaki. Bate belé libanda ya ngana to kanga maboko te tozo zila pe présidente ya assemblée ayi na mobembo zozo ngana kichasa azozo ngana mboka pour biso pe to sala o ya biso to ko sala mais déjà to zali ko solo la na ba député na ba membre ya gouvernement central ba membre gouvernement provincial pour to tala to accompagner bango pour totala otoza osala otozo sala ngo na cadre ya caucus ya to singa na population toza la solidaire na baninga oyo bazuma kama parce que ko yela biso nyoso to ke na musika a long terme to singa ke makambo ye sala masute pour biso toza na minduko ya biso ba député nationaux to ko interpeller ba kunzi oyo to sa ba recommandation ba sala musala te to interpeller tous ali kota là to tient en place commission ezota la makamona nyoso et puis commission na ekozwa mikano oyo to ko sade na mikolo ezali ko ya na mukuse yango. OK, merci. Bino kokis ya ba député ya ville de Kinshasa, ba député nationaux bosangani boyo ko mona ba kambi ya ville po bo solo la po kimia ekota bandeko ba kufi ba kondamana ndenga malamu obi batike bulukula ba solution nene ba ko zonga sur ba place ba kondi ba place mobule bimete nini okikolo ba kongola tuba landa biso siko Kinshasa libanda mboka Congo pour la réunion boutu ko salam ko molelo. Bon réunion to tsa marambalelo ezali continuité ka ba descente to sali na terrain to moni maramba somo depuis nga botama ya Kinya wala mama yemo nasika ko mona mamu na monité ba nzele zo kata na ndenga ko sakana te ndeti par exemple ke na route université mwana uta nzeza détaché de deux bras. Nga balé mbanzélé panzani donc trafic routier est sous possibilité bibembe to compter ko compter bandeko to ke même na ki sense na sima salon ko piko la batou na sia mabelé muto a dindi na sia ba décombre bo bendié et j'ai vu aussi à un moment donné et ça linga passé ba mama ba boti biso sans défense ba mama ba koufi et bazo me mabango lokola ba me makaba koni ko bwa ka bona 207 to pesa ki même ba moyen po ba mituka e ravitaye e me mabango na clinique universitaire na morgue makambo na kuluba esengeli esi la dans un interpellé ba autorité urbaine ba autorité nationale gouverner c'est prévoir il faut to za ba solution structurelle ba solution o ezo daté toi ba Kinshasa dans 10 ans et kozanini parce que so ke na maluku maluku azo kipe 90% vie la Kinshasa et toutes les communes azo mwa bazo kipe 10% mais so tali banda kundeza construit anarchiquement à peu près 7%. Est-ce qu'il y a pas possibilité on a proposé bande kwa Kinshasa to sa mibeko o ekope sa biso possibilité to créer ba ville secondaire azo mwa ndeti so ke na Washington eza Washington ville eza ba ville secondaire de sorte que Kinshasa za la décongestionner et puis il faut tout interpeller par conservateur de titres immobiliers. Nazo ben d'abord matoi, ya lukunga, ya moamba surtout. Oh bako kataka biteni ya mapangu bako pesa kabatu sans lotissement. Oh moi bandaku likolo bandaku. Tout ça azo préparer déjà bibembe à l'avance. Accomplisté ba beaucoup mais c'est aujourd'hui en attente. Non mais même ba autorité mususu bazana qualité té na découvrir na kei na kisenso na mbanzalemba na malolo na moni ba tout sorte de tenir ba titre o ba pesi bango non pas par autorité compétente c'est-à-dire que conservateur mais un chef division cadastre. Na mona que cause za liboso bandeko na biso ba kine ko tonga bisika oyo e bianga ma ko tonga banda côté.
y a les bossos na zali ko condamné ba conservateur et ba titre immobilier y a district à Lukunga toye baka que non mbongo eza bien kasi mbongo eko boma population eza mabe tala likama comme les ba population ya Lukunga ce qui gouvernement central a zui ba décision siko te na banzete bambule zo ko bakaka eko boma ba tebele. Il est important na ministre na ko senga na tata mokonzo ekolo a instruire na ba ministre na ye nyoso ba 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 kozala impliqué na pour la retrouver solution à la population ba même biloko ya kolia pour na bato ba bazola la libanda na ministre na Lukunga ba bongisela ba bazola la libanda même ba tante parce que pamba te ce qui gouvernement central salité ba député national ba na misolo ebelete ba zo salaka ba soutien mike kasi pression to ko sala ezali tata mokonzo kolo a tindika batu ya gouvernement na e pour que solution ezwama parce que na monga fula kuna na lubwaku na manenga problème les amakasi. Merci bien. Merci honorable. Bon honorable Eli Moussa Lukunga yo yo zo comme rapporter ya koki c'est ba député Eli ya ville de Kinshasa. Message ni fort aussi na ko le baba konglet tout bon na psiko. Merci mingi na maloba bo pesinga. Na lingina rappeler que ville ya Kinshasa ville province ya Kinshasa ezali na 55 députés nationaux na 4 circonscriptions. Alors lelo tozoloba na mbula oyo ebetaki tokufisi 51 personnes elinyoloba po na biso ba députés nationaux ya ville ya Kinshasa tozo considérer que tosi tokufi 51 personnes. Donc, na ville oyo, totika na 4 députés nationaux. Parce que bisonde toza ba lobili ya peuple. Bisonde toza ba représentant ya peuple. Na 4 circonscriptions, 51 personnes ba koufi. Donc, 51 députés nationaux ba koufi. Mais, tomoni 48 heures déjà. Bao baza na morgue toza na information te sur ndenge nini bakokundama bao yo bazola la libanda toza na information te aide nini bakozwa yangotina tozali kotambola epai ya exécutif provincial na exécutif national c'est-à-dire gouvernement ya ville na gouvernement national. Mais tu as précisé que le président de la République a mérité déjà à la féliciter. Parce que dès le moment où Makambo est Koyaki, a Télémaki, pour vendre. Dans l'immédiat, ils ont dit que le bateau est place à Kolal. Ce qui est au na Kan Luka, aux rivières Makelele, Kobandalikolo Tinase. On coûte à plus de 600 familles et Zalibanda. Bazola alikoloya potopoto. Donc, il y a un ami Kolezoya, qui a été victime de Mboula, qui a été une épidémie. Il y a un bateau qui a déjà pris en charge rapidement. Qui a été en sécurité, qui a été en sécurité, qui a été en condition, qui a été hygiène, qui a bien, mais solution, qui a été en sécurité. Ezali kokende kotia bango na ba site oyo l'état akopesa ba place bato batonga touti ko landa bino kuna bouti ko solola pona bo dekate station oyo bandeko na so ba kufaki mbule betaki mbule beta chaque fois bato ba kufarate te mito yeba cause pona ni bandeko ba kufi nini pe boyo ko sala an hotel de ville de Kinshasa bandeko ba kufi ona bazali bandeko na ngai okomona ngai na nzela elateli nde baloba na lokota falancé. Dans l'ordre symbolique, naza habillé en noir pour na kola kisake nazo le labande konang. Na kola labango kaka na mai na misute. Na kola labango na kola ndela. Meni ne bimi pona bande konango yo bazange sika kolala esika kufanda. Esengeli to luke labango esika ndenge baloba ba site, les sites de sinistrés. Esiko ba kozama matela, mwa bash, soki mbuleye
baza la peine nzela ko bombo nkite bimaka pambate tozana ministère affaires sociales nkite bimaka pambate tozana hôtel de ville nkite bimaka nkitana soke bimi bae bakweli mbeba bazwa kambongo wana temba lebele me ya mbaloyo ngai na telemi na bandeko na ngaba député ya Kinshasa to telemi to landela boni boni bimi na koyebi sabino mwandambo bimaki 47 millions toko landela 47 millions na bakaboli na bilengo ba sunga kibiso ko bimisa bibembo zaki na sama bele na mwandambo ndambu me to suki kaka bongote isengeli sikoyo to bomba ba bazana bomoi bazwe sika kolala o babingi le site de sinistre to proposer bango livulu terrain mefe bisike bele toko otia batuana me na nzilo bato bapesa kibiso ba mingongo toza la balobeli na bango toko landela mabota ena esengeli bazwa mam lome ya ndambu 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 me siko nako beta sete biso esengeli to bunda pona ye bapesa bango makoki na nzela makoki wana basala ba site ya ba sinistre ona zobenga les 500 familles o bazange sika kolala basange sika kofanda me to beti sete o mikolo mikoya botongi ndaku to baebaza kotonga na nzela ya ona bengi le banditisme urbanisme to kobuka bandaku wana to kobuka bandaku wana voter loi mama ezali kambu ya ko voter loi te mibeko ezali to kosala na mboko yo mibeko ezala kanango bosale li mibeko ndeza la kate la mise en applicabilité des lois existentielles pas des lois existentielles na kotina lokota français esengwa kotanga kila simalam yango wa tondu ba cause tango yoso ba bongo na quartier Mbanzalemba na quartier K15 ba tu bazina ba fiche parcellaire ba tu ba repesa ba fiche parcellaire ba bokumes tango yobeti masoba urbanisme bokumes na pesa ba fiche parcellaire ba tu ba kufuna K15 Mbanzalemba moni bokumes c'était esengela tele mila makambo ya tando ezala ministère nango ya affaires foncières ezali na ba epe mobeko apesi bango ndingisa ko pesa moto mabele kaka bongo mboka ye mobeko likunju esala makate tango toko beta 7 na 19 ans ndeko kabila batu bamona ka to beta ka 7 pona 5 to pona ko yina moto basaleli mobeko te ba conséquence nango yango wana nde balobi na lokota français sans fin nous constatons les ramifications conséquentielles na oyo bandeko bakambaki mboka na zunguluke soki bakokoba pe na lolenge wana mpona bango babengani lelo alliance tosali alliance soki alliance yango bakokoba nango na lolenge ya banditisme ya environnement tokolelaka kaka bibembe mboka batongaka yango moto atongaka mboka ezali bongo politicien eza peuple te peuple soko tikile bo akotonga esika nyonso alingi akotonga esika nyonso alingi na kotalisa bisika mosusu bake kotonga esika ezalaki fulu tango basali fondation bakiti pena na sete tango mopepe na mbula ekoye kosala nini ekokweisa ndako wana me leta ye nde moto atongaka mboka tokokondane bayi mboka te bakoze ezali nini leta construit tres mal sa cité c'est leta ki construit lorsque leta construit mal conséquence bato bakozinda bandako kokweya cause eza nini défaillance ya leta leta aza démissionnaire na nini na domaine wana azali te moto nyonso akolamuka atongi ndako na ye moto nyonso akolamuka akwi ndako ya ndeko boye leta un état démissionnaire yango bitumbo biso tobundi u tokala tobundisi ndeko kabila mpona nini mpona leta azala yango omoni tomonaka Kondo Tshisekedi o azali moto vision ezalaki nini la réhabilitation de l'autorité de l'état et l'état de droit tomituna question ce qui va réhabiliter autorité de l'état moto nyonso akotonga esika alingi ce qui état de droit ezali moto nyonso akotonga esika azali tolongola ba discours creux état de droit tomona yango esiko état de droit ezali moto akotonga ndenge alingeli te esiko état de droit ezali botongi ndaku ekosalama na ndingisa ya l'état na ndingisa ya moto te lelo ekomi na ndingisa yo kotanga burkumesa azali nani nesika kotonga ndako aza nani aza nani baburkumesa ompe bazonomaka nomaka na bango bango est-ce qu'il a la légitimité ya kosala mosala lokola burkumesa azorepondre na gouverneur oyo anomaki ye te soki yo omona gouverneur burkumesa abengaka gouverneur yaya
ya gentini yo okosala musala mukoni okobenge ya yapona nomaka yo yo administratif ozala légitimité té okomobenga bourgmestre ya gentini ezalaka bokotonga mboka mukoni yo okobenge yaya mukoni okotonga mboka iye pe kuno oyoka ho petit frère nga leki ya moto bokotonga mboka mukoni na bamangala wana oya benga kaya ya wazungu sakale kya moto bokotonga mboka mukoni. Merci bandeko balandia to komwa bito ndi bino botondi boyo ki bongo déclaration ba député national de Zakibongo awa na hôtel de ville de Kinshasa et pa ba député national ba yaki kokutana na ba gouverneur ville de Kinshasa pona bandeko ba kufaki tika de kimi ya nzambe ezala maboti na bino ndetu kutemo komalobi.